Comment va le Burkina aujourd'hui? Quelles ont été les réalisations majeures de ces 12 derniers mois? Quelles ont été les difficultés? Le Premier ministre a pris 2 heures pour faire une photographie claire du bulletin de santé de l'État burkinabé, un exercice démocratique qui anime l'hémicycle depuis le matin. Des faits d'arnaque sur les parcelles de la cité des forces vives de Koudougou. Les dites parcelles sont réattribuées de façon illicite contre de fortes sommes d'argent. Ces indélicatesses sont mises à l'index par le gouverneur de région, Pascal Komiamba Sawadougou. Le sida et les IST menacent gravement les grands voyageurs et surtout les routiers. L'association africaine Solidarité se donne 3 ans pour sensibiliser ces personnes cibles. Un programme de prévention a été lancé en ce jour avec le soutien de la Fondation Total. Bienvenue aux actualités sur la RTB. Actualité oblige, le 20h vous est proposé plus tôt que d'habitude. Vous le savez, le Premier ministre est de retour à l'hémicycle. Après sa déclaration de politique en début de mission, Luc Adolphe Thiaw s'est soumis cette fois à l'obligation de présenter aux élus la situation de la nation. Un grand oral de 2 heures d'horloge qui s'est structuré autour de 5 axes fondamentaux. Depuis cet après-midi, la parole est aux députés pour poser des questions, pour interpeller le gouvernement sur les questions qui sont celles des populations. En attendant les réponses du Premier ministre, dans quelques instants, revenons sur les grandes lignes de ce discours sur la situation de la nation avec cette synthèse de Sylvain Vibamba. C'est une photographie des actions menées par le gouvernement en 2012 que le Premier ministre a exposée devant la représentation nationale. Des actions fondées essentiellement sur la mise en œuvre du programme présidentiel et la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Si le contexte de l'année 2012 a été celui où l'économie mondiale reste contrastée avec un environnement régional marqué par la crise au Mali, des performances ont été enregistrées par notre pays. Un taux de croissance de 8% et une inflation contenue. Des 5 points constitutifs de son exposé, Luc Adolphe Thiaw, parlant du renforcement de la gouvernance, a surtout évoqué l'organisation réussie des élections couplées du 2 décembre 2012 et la mise en œuvre des recommandations du cadre de concertation sur les réformes politiques, CCRP. En ce qui concerne le renforcement des piliers de la croissance, deuxième axe du discours du Premier ministre, 2012 a connu le lancement du projet pôle de croissance de Bagri. L'année 2012 a été marquée par le lancement du projet de pôle de croissance de Bagri, qui suscite beaucoup d'espoir en tant que modèle expérimental d'accélération de la croissance économique et de réduction de la pauvreté par une meilleure valorisation des potentialités nationales. La filière coton a, elle, connu une certaine embellie. La production cotonnière nationale réalisée s'est établie à 630 000 tonnes graines, ce qui représente une augmentation de 51% par rapport à l'année précédente. Tandis que la production de l'or a connu quelques difficultés. La production industrielle d'or est passée de 32,6 tonnes d'or métal en 2011 à 30,2 tonnes en 2012 avec une production artisanale déclarée environ 972 kg. Cette légère baisse que vous avez notée est consécutive à des difficultés de production que certaines mines ont connues en 2012. Pour ce qui est de la consolidation de l'investissement humain, autre point évoqué par le chef du gouvernement, la normalisation des années universitaires à l'université de Ouagadougou avec le blanchiment technique est un chantier qui nécessite l'adhésion de tous les acteurs du système universitaire. Notre système d'enseignement supérieur enregistre ces derniers temps
des années universitaires dont le déroulement est en décalage total. Si l'on veut arriver à court terme à une régularisation des années universitaires, notamment l'Université de Ouagadougou, il y a lieu de commencer par n'avoir qu'une seule année académique sur le campus. Donc, de trouver le mécanisme pour inscrire tous les étudiants au titre de l'année 2012-2013, dont notamment les bacheliers de la session 2012. La réalisation de ces inscriptions au titre de l'année universitaire 2012-2013 ne pourra se faire à l'avantage des étudiants que si l'on procède à ce que nous avons qualifié entre guillemets de blanchiment technique. D'autres points tels l'intégration des thématiques émergentes dans les stratégies de développement ainsi que le renforcement de la coopération internationale et de l'intégration régionale et le rayonnement de l'image du Burkina Faso ont été développés. Un texte de 79 pages accompagné d'un document annexe présenté pratiquement en 2 heures d'horloge. Un discours que Luc Adolphe Thiaou a conclu en invitant les Burkinabés à apprécier ce qui est fait et surtout à savoir garder espoir. La représentation nationale qui est en début de mandature a parachevé la mise en place des commissions générales et des groupes parlementaires, mais il reste encore d'autres institutions à mettre en place. Il en est ainsi de la haute cour de justice ainsi que du chef de file de l'opposition politique au Burkina. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale nous situe sur les modalités et le processus de mise en place de ces institutions. Monsieur Nombré est interrogé par Anna Lucie Kéré. Nous avons eu la session spéciale d'installation, nous avons eu une session extraordinaire et aujourd'hui nous sommes en session ordinaire. C'est la première session ordinaire de l'année 2013 et les commissions fonctionnent, les commissions ont été mises en place. Et toutes les commissions fonctionnent normalement. Et le bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place. Les groupes parlementaires ont été mis en place. Les groupes d'amitié sont en train d'être mis en place. Il y a des consultations entre les groupes parlementaires pour mettre les groupes d'amitié parlementaires. Il y a également certains organes spécifiques dont la mise en place relève la responsabilité de l'Assemblée nationale. Je vais parler notamment de la Haute Cour de justice et de la mise en place, enfin de la nomination du chef de file de l'opposition politique. Pour la mise en place de la Haute Cour de justice, ce sera effectif au cours de cette session ordinaire de mars 2013. En ce qui concerne la mise en place, la nomination du chef de file de l'opposition politique, cela va intervenir la semaine prochaine. Pour être plus précis, le 9 avril, au cours de la première réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Donc la nomination du chef de file de l'opposition politique est inscrite à l'ordre du jour de cette session du bureau. Parlons maintenant de politique de santé. Prévenez 27 000 routiers sur le danger qui les guette sur la route dans les voyages, le sida et les infections sexuellement transmissibles. Un programme se fixe un tel objectif sur 3 ans. Il s'agit d'un programme lancé ce matin à Ouagadougou et la Fondation Total soutient une telle initiative de AAS, Association Africaine Solidarité, avec un chèque de 300 millions de francs CFA. La convention qui lie les deux partenaires a été signée en présence de Mme Chantal Compaoré, épouse du chef de l'État, et de notre reporter Lazare Pouya. Par cette signature, la Fondation Total et Total Burkina mettent à la disposition de l'Association Africaine Solidarité AAS la somme de 300 millions de francs CFA pour renforcer les capacités des routiers à réduire les risques d'infections sexuellement transmissibles et de VIH. Elle vise aussi à promouvoir l'utilisation correcte et systématique du préservatif pour tout rapport occasionnel et fournir entre autres aux routiers dépistés positifs aux IST-VIH l'accès aux soins, au traitement et à la prise en charge psychosociale. Nous allons intervenir sur les axes en partant de Bobo jusqu'à la frontière du Bénin. Les interventions concernées le développement des activités de dépistage pour 27 000 routiers et tous ceux qui fréquentent les sites des routiers. Il s'agit aussi
d'offrir pour la première fois le dépistage de la syphilis aux routiers. Le site minier de Mana constitue également l'une des zones d'intervention du projet. D'une durée de 3 ans, ce projet vise la prévention, le dépistage, le traitement, l'appui, les soins pour les populations cibles, la coordination et la recherche-action. Nous avons une filiale qui est très impliquée dans le transport des hydrocarbures, qui connaît bien la situation des routiers. Nous avons un pays où, depuis très longtemps, le chef de l'État et son épouse s'impliquent personnellement dans la lutte contre le sida, où on a une tradition de partage communautaire et d'association, d'écoute et de respect. Et donc, c'était le terrain très favorable pour développer un projet. Depuis de nombreuses années, la première dame du Burkina s'est engagée dans la lutte contre le VIH-Sida à travers la Fondation Souka et Synergie africaine. Selon elle, le fléau du sida est et doit rester une priorité absolue. J'interpelle l'Association africaine Solidarité, AAS, quant à sa responsabilité dans la mise en œuvre de cette convention. Son grand professionnalisme et son expérience éprouvée font espérer qu'elle se montrera digne de la confiance placée en elle. Je souhaite qu'avec le soutien de Total et de l'Institut Pasteur, ce défi soit relevé avec efficacité et performance. J'encourage les bénéficiaires, les chauffeurs routiers, de même que les populations associées, à s'engager activement dans ce programme. À l'issue de la cérémonie, les différents acteurs intervenant dans ce programme ont animé une conférence de presse. Le but est de présenter le rôle de chaque intervenant dans ce projet. À l'instar des autres pays membres de l'Organisation des Nations Unies, le Burkina Faso a pris part à la 67e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères a restitué les grandes conclusions de la session au cadre de l'administration burkinabé. C'était l'occasion aussi de faire le bilan de la participation du Burkina au débat mené à l'ONU, le reportage de Drissa Seri. Le Burkina Faso face aux défis sécuritaires de la bande sahélo-saharienne, c'est le thème choisi comme fil conducteur de ce 11e atelier consacré aux travaux de la 67e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Outre les communications centrées sur les défis sécuritaires, ce sera l'occasion de faire le bilan de l'ensemble des travaux de l'Assemblée générale avec pour objectif de permettre au cadre de l'administration burkinabé de s'imprégner des problématiques débattues au niveau international. 2 ans nous séparent de l'échéance de la bataille pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, qui est encore loin d'être gagnée. Des réflexions sont en cours au sein des Nations Unies dans la perspective de l'adoption d'un nouvel agenda post-2015 qui mobilise déjà toute la communauté internationale. C'est dire que nous devons résolument nous préparer à prendre de nouveaux engagements en vue de rechercher des solutions adéquates à la question lancinante du développement. Cependant, vous conviendrez avec moi que toutes les grandes problématiques contemporaines ne sauraient trouver de réponses idoines dans un climat d'insécurité, de peur et de terreur, mais plutôt dans un environnement de paix et de sécurité internationale, gage d'un développement durable. En ce moment, la région ouest-africaine, du fait du conflit au Mali et de l'insécurité alimentaire ambiante, court de grands risques de conflit. Le système des Nations Unies essaie d'apporter sa contribution au maintien de la paix à travers le monde en aidant les populations à mener leurs activités de développement. C'est dans ce contexte que nous sommes là aujourd'hui. Et vous avez vu que ça sera une restitution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a eu lieu en septembre et qui a parlé beaucoup de la sécurité, mais aussi de l'utilisation du dialogue et de moyens pacifiques pour résoudre les conflits. Nous allons, pendant ces jours, repasser un peu tous les éléments de cette insécurité, si je peux dire, qui est une insécurité militaire, une insécurité politique, mais aussi une insécurité alimentaire. Il y a plusieurs volets qui vont être discutés ici pour donner à tout le monde une meilleure vision de tout cela et nous conscientiser du rôle que chacun de nous doit jouer pour promouvoir la paix et en conséquence promouvoir le développement durable. Dans le cadre de la promotion du développement durable, les Nations Unies renouvellent leur engagement à accompagner les efforts du gouvernement pour relever ces défis sécuritaires.
À Kourougou, le gouverneur du centre-ouest dénonce des faits d'arnaque sur les parcelles de la cité des Forces Vives. Des agents de la direction régionale de l'habitat et de l'urbanisme de Kourougou procéderaient à une réattribution illicite de ces parcelles contre de fortes sommes d'argent. Frédéric Étienne Bassinga nous éclaire davantage sur ces indélicatesses. Reportage. Un point de presse qui débouche sur un poteau rose à Kourougou. Convoqué au préalable pour informer l'opinion publique sur une réattribution illicite de parcelles perpétrées dans la cité des Forces Vives de Kourougou, cette conférence de presse aura permis aux journalistes présents de se rendre compte d'une grosse arnaque qui, au dit des victimes, serait orchestrée par Dieudonné Zongo et Issa Boro, tous deux agents de la direction régionale de l'habitat de Kourougou. Disposant d'un document pré-signé et cacheté par le gouverneur de la région, pris chez sa secrétaire à son insu, ces deux agents ont procédé à la réattribution de 37 parcelles moyennant des sommes d'argent comprises entre 706 000 francs CFA et 1 706 000 francs CFA. Moi, je me rappelle par un certain nombre de fois avec certaines personnes qui ont voulu me remettre de l'argent pour que cet argent soit remis à Dieudonné. Qui allait faire parvenir ça à qui de droit? Et qui de droit, monsieur le gouverneur, dites-vous bien que en filigrane, on vous voyait. Ce n'est pas... C'est ce qui se disait, hein? Vous comprenez? Alors, conséquemment, nous nous sommes retrouvés donc dans des situations où souvent, en remettant l'argent, bon, le DR était là, et Zongo aussi. C'est vrai que jamais DR directement n'a pris des mains de quelqu'un, en tout cas pas des miennes, encore moins de ceux que j'ai envoyés là. Pas qu'il a pris directement, mais par deux ou trois fois, on s'est rencontrés dans des troquets à Ouagadougou, où on a remis à Zongo des enveloppes qui, Zongo, se chargerait d'acheminer. Alassane Kabore, directeur régional de l'habitat de Kourougou, interpellé séance tenante, dit être informé de ces réattributions illicites, mais ne savait rien des sommes d'argent engrangées par ces agents. La direction régionale de l'habitat et de l'urbanisme, qui devait être notre œil technique, notre oreille technique qui nous a mis dans ce désagrément et dans cette situation inextricable. Pire, le DR semble dire qu'il n'est pas au courant de ce que ces agents ont fait ou bien de ce que ces agents ont pris comme sommes avec les nouveaux attributaires, mais certains ont dit devant vous et devant moi, et donc on a pris l'information au même moment, certains ont déclaré que, en tout cas, les sommes qu'ils ont données par parcelle varient entre 750 000 et 1 750 000. En tout cas, je pense qu'ils vont répondre par rapport à leur faute aussi bien administrative et personnelle. Ces parcelles sur lesquelles ces agents ont spéculé sont comprises dans les 244 parcelles qui n'avaient pas été mises en valeur. En attendant, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a déjà reçu l'état de cette situation qui prévoit à Kourougou et des mesures devraient être prises les jours à venir. La coopération française donne des moyens de mieux préparer les gendarmes à la lutte contre le grand banditisme au Burkina Faso. Au niveau du commandement des écoles et centres de formation de la gendarmerie du Bobo-Dioulasso, une salle a été rénovée et équipée d'ordinateurs pour améliorer la formation. Reportage Christine Samouan Koulibaly. La coupure symbolique de ce ruban marque la réception officielle de cette salle entièrement rénovée et équipée de matériel informatique. Du matériel composé entre autres de 20 unités centrales, de 120 postes tous connectés à Internet. Ce don de la coopération française s'élève à plus de 30 millions de francs CFA. Je crois que vous avez pu la visiter également cette salle. C'est un outil remarquable, je crois, de travail, de formation pour l'ensemble des agents, parce que je crois savoir que cette salle d'informatique intéressera l'ensemble des agents de la gendarmerie, sous-officiers ou officiers, je crois, en général, de l'ensemble de Burkina Faso. Donc voilà, ça s'inscrit vraiment dans la continuité, dans le développement de nos relations qui sont, je crois, exemplaires avec le Burkina Faso et je m'en réjouis
j'ose dire, chaque jour. Ces outils informatiques vont contribuer à renforcer la capacité opérationnelle et accroître le professionnalisme des agents dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Premier, j'aimerais remercier les autorités françaises qui nous ont aidés à acquérir cette salle. J'aimerais aussi saluer le gouverneur de Oubassin qui a voté ce matin l'opération de cette salle informatique qui va permettre à la gendarmerie d'avoir plus de performances, d'abord en matière de lutte contre la cybercriminalité, contre le grand banditisme, et aussi pour remplir sa mission d'instruction dans le cadre justement de cette école de formation. Le général de brigade Honoré Nabéré Traoré, qui a présidé la cérémonie, souhaite que ce matériel, fruit de l'excellente relation entre la France et le Burkina Faso, soit bien entretenu afin qu'il puisse profiter pendant longtemps à ce centre de formation et de perfectionnement des forces armées nationales créé en 2009. L'école supérieure multinationale de télécommunications célèbre la sortie de sa première promotion de diplômés, 31 ingénieurs en télécommunications qui ont reçu leur parchemin des mains de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le ministre en charge des postes et du développement de l'économie numérique. Reportage Saline Nana. La première promotion de l'école supérieure multinationale des télécommunications et FMT du Burkina est faute de 31 lauréats. En 2 ans, ils ont suivi le processus de formation qui leur a permis d'obtenir le diplôme supérieur des télécommunications. Désormais, il leur appartient de mettre en pratique les connaissances acquises. La formation s'est très bien passée, ça s'est passé dans la joie. Et il y avait surtout l'envie, la curiosité d'apprendre. Donc ça nous a motivés. Nous sommes prêts maintenant, la balle est dans le camp des opérateurs. Et nous demeurons à leur service. Et nous irons taper à leur porte pour l'emploi. L'école supérieure multinationale des télécommunications est une école sous-régionale créée à Dakar en 1981. Elle est née de la volonté de 7 pays membres de la sous-région, désireux de disposer d'ingénieurs qualifiés pour les services des télécommunications. L'antenne du Burkina est ouverte en 2010 avec pour objectif de rapprocher l'offre de formation et permettre aux jeunes de se former dans leur pays. Vous savez qu'il n'est pas aisé pour un Burkinabé ordinaire de pouvoir se payer une formation à l'étranger, même si c'est à Dakar. Il faut une bourse pour la vie de tous les jours, il faut payer la formation. Alors que lorsqu'on fait la formation ici à Ouagadougou, ne serait-ce que pour ce premier cycle d'enseignement professionnel, eh bien les étudiants sont sur place, le coût de la formation est moins cher et en plus ils sont chez eux. L'économie numérique est en développement. Nous avons besoin de personnel formé et très bien formé et c'est pour cela que la présence de cette école à Ouaga n'est qu'un plus pour nous. En 30 ans d'existence, l'école supérieure multinationale des télécommunications a déjà mis sur le marché de l'emploi du continent africain plus de 27 000 techniciens. Pour le ministre du Développement, de l'économie numérique et des postes, ces ingénieurs télécoms en quête d'emploi renforceront sans doute les ressources humaines des différents services de télécommunication et des technologies de l'information et de la communication. Une délégation du projet américain USAID et WASIP était le 27 mars dernier à Banfora pour visiter les installations techniques à l'usine Sofitex Banfora 2 de la Sofitex. L'objectif est de constater de visu l'investissement du projet dans cette usine qui entre dans le cadre de l'augmentation des revenus des transformateurs industriels du coton. Et cette visite intervient dans le cadre des journées portes ouvertes des activités de Banfora 2 Sofitex. Reportage Momoni Barou. USAID WASIP, un projet américain sur les traces de son investissement à l'usine Banfora 2 de la Société des Fibres Textiles. L'intérêt de cette visite par la délégation est justement de constater de visu le mode de fonctionnement des équipements de dernière génération installés dans cette usine pour une meilleure rentabilité. À la recherche de l'efficacité donc, le coût de l'investissement s'élève à environ 300 millions de francs CFA financés par le projet en partenariat avec la Sofitex. Il faut comprendre que nous appuyons l'équipe de Banfora 2 sur les activités de production. On avait déjà financé tout ce qui est lié aux bonnes pratiques agricoles. Et en plus de cela, il y avait un projet qui, en partenariat avec le WASIP, a développé ce qu'on appelait le coton de qualité. Et c'est ce coton de qualité qu'on est venu voir dans le processus d'égrenage. Avant de faire le processus d'égrenage, il y a eu d'abord un diagnostic.
Le diagnostic a révélé que pour renforcer, améliorer la compétitivité de l'égrenage au niveau de Bafora 2, il fallait faire un certain nombre d'investissements. Et parmi ce sont ces investissements que nous avons faits et nous sommes venus aujourd'hui avec le bailleur de fonds pour voir concrètement de visu l'amélioration que cela a apporté au niveau de l'usine de Bafora 2. Cette approche technique testée ici vise entre autres objectifs l'accroissement de la productivité, l'amélioration de la qualité de la fibre d'égrenage et la réduction des coûts de production. Le système a consisté à installer des capteurs qui font ce travail de diagnostic, de détermination donc du taux d'humidité du coton grain à l'entrée et de la fibre à la sortie, et avec des machines, d'autres machines qui ont été installées pour accroître le taux d'humidification, améliorer donc le taux d'humidification, le système d'humidification qui existait avant. Déjà son apport, on peut parler rapidement du produit fini où on gagne en qualité et en quantité. En qualité parce que déjà le défibrage a été amélioré, le défibrage du coton grain, le nettoyage a été amélioré par l'apport de nouveaux éléments et encore on a ce qu'on appelle l'humidex Saralac qui nous apporte un plus-value en termes de quantité sur le produit fini. Après la visite des équipements, les différentes délégations se sont retrouvées à Bouboudoulasso autour d'une table pour faire le point des deux jours de travaux à l'occasion des journées portes ouvertes sur l'activité d'égrenage à l'usine de Bafora de Sofitex. Le gérant de programme USAID WASIP dit repartir avec une grande satisfaction vu l'apport du projet à l'usine en termes de performance. La mairie de Fada a un nouveau maire, c'est l'ancien maire Moumouni Kokti qui se réinstalle à l'hôtel de ville de la cité de Yendabli pour un nouveau bail de 5 ans. À la foule de grands jours qui s'est mobilisée pour être témoin de l'inauguration officielle de la nouvelle mandature, il promet de mieux faire que les années passées. Jean Zongo et Fousséni Kindo. Un nouveau contrat de confiance pour Moumouni Kokti. Pour 5 ans, la ville de Farane Gourma dans l'est du Burkina Faso lui confie à nouveau sa destinée. Arrivé en mai 2006 à la tête de la commune urbaine de Farane Gourma, ce conseiller d'agriculture à la retraite nourrit de nouvelles ambitions pour son second mandat. L'eau, la santé et l'éducation demeurent des défis pour le pays, mais à Farane Gourma, le conseil municipal a ses priorités. La priorité, comme je l'ai dit, c'est de nous engager dans la citoyenneté de tout et chacun, que chacun soit moins citoyen. Cela veut dire que chacun participe déjà à la construction de cette ville-là. Donc si on dit qu'on va commencer par un bout et qu'on n'a pas ces conditions réunies, on n'aurait pas réussi. Même au niveau de l'éducation, il faut que cette contribution citoyenne, parce qu'il faut les moyens financiers pour le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de fréquentation des élèves. Nous n'avons pas un problème, même s'il y a des insuffisances des maîtres, mais ce n'est pas aussi clair que les conditions de travail dans lesquelles travaillent les instituteurs. Une salle sans classe, un enseignant sans table, sans chaise, ce n'est pas facile. Donc, hors tout ça, il faut les moyens. C'est pourquoi je prends le mandat sur le signe de la participation citoyenne. À côté de ces priorités, l'amélioration du cadre de vie, le renforcement du capital humain et la coopération décentralisée demeurent primordiales pour la nouvelle direction de la mairie de Fada. Et elle pourra compter sur l'appui des partenaires comme la coopération suisse, la coopération allemande, le FICOD ou le Fonds Enfant. Le ministre de la Promotion de la Femme fait le point de la célébration de la 156e Journée internationale de la Femme. Un bilan satisfaisant aux yeux de Nestorine Sangaré et son équipe qui était ce matin face à la presse. Les motifs de ce satisfecit sont présentés par Kadi Sanogo. C'est un manga dans la région du centre-sud que s'est déroulée la commémoration de la 156e Journée internationale de la femme. Dans notre pays, le thème retenu pour ce 8 mars 2013 était « Entrepreneuriat féminin et autonomisation économique de la femme au Burkina Faso ». Plusieurs activités ont marqué cette célébration, notamment la marche de lancement, les panels, les mariages collectifs et l'organisation des émissions radio et télé sur le thème de la journée. Pour Nestorine Sangaré et ses collaborateurs, le 8 mars 2013 a été un succès selon les échos reçus des participants et de l'opinion nationale. Au cours de la semaine,
nous avons connu une influence lors de des différentes activités, notamment le panel, où à l'occasion nous avons pu constater une grande participation des femmes au niveau de Ouaga ici, mais une grande participation également à Manga, où plus de 500 femmes ont vraiment pris part donc à cette présentation. Au niveau de la cérémonie officielle, nous constatons également qu'il y a eu une affluence, mais une affluence qui a dépassé nos prévisions, parce que nous nous attendions à environ 5000 personnes, mais ce nombre-là est largement dépassé, parce que tout le dispositif d'accueil que nous avions mis en place a été un peu débordé au niveau de l'accueil et de l'installation des personnes pendant la cérémonie. Au cours de cette conférence de presse, la question des violences faites aux femmes n'a pas été occultée. Nessorine Sangaré a fait une déclaration par rapport aux faits déplorables qui ont marqué l'actualité nationale en ce mois de mars. Il s'agit notamment de l'assassinat de deux jeunes filles et du décès d'une femme en couche. Elle interpelle les médias, les leaders coutumiers et religieux à s'engager pour changer les mentalités en faveur d'une réduction des violences faites aux filles et aux femmes dans notre pays. L'émission Tableau d'honneur a repris ce soir sur nos antennes pour une nouvelle saison. Le tapis rouge est déroulé à nouveau pour les meilleurs élèves de nos établissements. Les critères de sélection des vedettes de TH sont expliqués dans ce reportage de Pélagie Bempanomé Sawadogo. Dès ce soir, l'émission télévisuelle Tableau d'honneur sera diffusée sur les écrans de la télévision nationale du Burkina. C'est un magazine de 26 minutes qui met en exergue les élèves les plus brillants des établissements scolaires du Burkina. Communément appelée TH, l'émission retrace la vie scolaire de ces enfants, évoque leur ambition et leur personnalité de rêve. L'objectif est de valoriser les compétences des élèves les plus méritants afin que ceux-ci servent de modèle aux autres. Depuis 4 ans que nous menons le projet, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le cadre de ce projet-là. Mais très souvent, il n'y a pas de relais au niveau de la presse. Donc, pour lever tous les équivoques, faire comprendre beaucoup de choses, partager les informations utiles, afin que la presse aussi serve de relais dans les lycées et collèges auprès de nos jeunes. Commencé depuis 2010, le programme est à sa 4e édition et est parrainé par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw. Et cette année, c'est l'implication des familles dans la vie scolaire des enfants qui est beaucoup plus sollicitée. La 4e saison a concerné toutes les 13 régions du Burkina et a permis de sélectionner 20 élèves étoiles. Le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, la Bank of Africa et la Radio Pulsar sont entre autres les structures qui œuvrent au quotidien pour la réussite de ce projet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout à l'heure, vous aurez l'hémicycle en direct. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw répond aux questions des députés à la suite de son discours sur la situation de la nation. Vos compagnons seront Viviane Tienrebego, Simon Gongo, Moumouni Soubaïga et toute l'équipe de l'hémicycle de la future télévision de l'Assemblée nationale.